Je me suis dit hier pourquoi pas augmenter mon talent, ça faisait longtemps, 1 200 000 d'or ça coûte un bras quand même. Je me suis dit vas-y pourquoi pas et regardez sur quoi je suis tombé les amis. Tac! Power up de héros, je suis passé de 24 à 28%, je suis donc aujourd'hui avec Shade à 11 500 d'attaque. C'est quand même pas mal, mais je vais encore augmenter cette attaque grâce à deux nouveaux skins. Un, je pense que vous le connaissez, le deuxième, on ira voir un peu la réflexion que j'ai eue par rapport à ce choix, et on ira aussi voir un petit bonus par rapport au skin. On se retrouve après l'intro, n'oubliez pas les pouces bleus et l'abo les amis. Eh bien bonjour à tous, alors avant de commencer, vu qu'on parle de skin aujourd'hui, de costume, n'oubliez pas de débloquer le costume de Foreign, parce qu'actuellement il est gratuit, dans le futur peut-être pas, voilà. Donc profitez-en, la vidéo se trouve au-dessus de ma tête, si vous ne savez pas comment faire pour débloquer ça gratuitement, profitez-en, je vous le redis encore une fois, c'est gratuit. GG à toute la commu qui a participé à cet événement, vraiment, vous avez été adorables, vous avez joué le jeu, etc. Tout le monde s'est aidé, c'était stylé, j'ai kiffé, merci à tous et GG à tous, voilà. Donc, on va débloquer deux skins aujourd'hui. Le premier, je pense que vous le connaissez aujourd'hui, j'ai assez pour débloquer Shade, les amis. Enfin, grâce au pack et grâce aux events qui se sont passés, notamment hein, l'event boule de neige, les amis, hein, qui se trouve ici. Voilà, quand tu cliques là-dessus, tu te mets bien, voilà, hein, tu te mets bien. Donc faites-moi ça. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, encore une fois, il y a quand même encore des questions sur ça. C'est très simple, les amis. Pour débloquer ce bonhomme de neige, il faut du coup le créer ce bonhomme de neige. Vous avez vu qu'il y a, là, actuellement c'est la troisième phase. On a eu la phase 1 qui a été validée pour moi, la phase 2 qui a été validée et la phase 3 qu'on est en train actuellement de valider. Il nous reste 6 jours. Pour valider ça, les amis, je vous redis dans cette vidéo, il vous faut compléter les deux phases. La première, c'est donc le bonhomme de neige complètement par la commu. Donc plus tu gagnes de bouts de neige, plus je gagne de boules de neige, et plus vous gagnez des boules de neige, et plus on remplit cette barre-là, tout simplement. Une fois qu'on est à 100%, on remplit le premier objectif. Malheureusement, on ne peut pas débloquer la phase qui se trouve en haut avec seulement un objectif. Il faut faire les deux objectifs. Objectif commu et objectif personnel, ici, qui se trouve là. Donc hop, vous avez vu, premier, et charrier du coup, premier objectif récupéré. Il faut que je fasse mes 400 boules de neige. Une fois que j'ai fait les deux objectifs, je peux cliquer sur en haut et récupérer cette récompense. C'est énorme quand même. Là, c'est énorme comme récompense. Mine de rien, là, ils n'ont pas fait des crevards, on est d'accord ou pas? Voilà. Donc, il faut récupérer ces deux phases. C'est tout. Voilà. Ceci étant dit, on va aller chercher tout simplement, voilà, le skin déjà de Shade. Alors, regardez bien ici. On a 11 576 d'attaque exactement. Avec Shade, je vais gagner 120 d'attaque en plus et une résistance sur tout ce qui est dégâts de collision. Très bien. C'est mon perso principal, je le garde pour l'instant, est vraiment très très forte Shade. Donc on va seulement chercher la tenue, les amis. Donc tenue, on va faire un petit screen avant après, voilà, hop. Et ici, regardez, vous avez vu en haut, j'ai actuellement 107 coupons premium, elle me coûte 95. Ça coûte un bras les amis, ça coûte un bras. Faites ça de façon passive et vraiment faites les events, hein, parce que même quand t'es free to play, tu peux l'avoir cette tenue. Un peu plus tard, bien entendu, c'est normal, c'est logique. Mais vous avez vu qu'on a pu quand même gagner, je crois, si j'ai pas de bêtises, déjà plus de 30 tickets gratuitement premium avec les events. Donc franchement, ça vaut le coup de le faire au fur et à mesure. C'est pour ça, mais il faut quand même jouer un petit peu. Donc, je débloque du coup cette tenue, les amis. Hop, 95, ça pique un peu. J'ai fait mon choix. C'est vraiment celle que je voulais. C'est un choix réfléchi, etc. Même si c'est pas très difficile à comprendre. Allez, hop, je fais ça. Échanger 95 coupons premium en tenue épique. Assassin légendaire. Bien entendu, je fais le screen. D'accord. Obtenir une nouvelle tenue assassin légendaire. Tenues en double seront automatiquement converties en coupons correspondants. On va pas prendre des tenues en double, j'ai envie de te dire, pour l'instant ça coûte un bras déjà une tenue, hein, voilà. Donc d'accord, et ben voilà, c'est équipé. Donc je gagne 120 d'attaque, et comme je vous expliquais, un peu de réduit de dégâts sur tout ce qui est collision. Donc logiquement, je suis passé avec 11 744. C'est pas logique. C'est 120 d'attaque, on est d'accord? 120 d'attaque. 120 d'attaque, normalement, je passe logiquement à 11 696. Ah oui, mais il y a un bonus, effectivement. Ouh, pas mal le bonus. Regardez, je cherchais bonus. Mais regardez, ici, plus on a de tenues et plus le bonus est gros. Tout simplement, regardez, tenues. Et en haut à gauche, vous avez vu, j'ai progression 2 sur 15. C'est ma deuxième tenue sur 15 obtenables. Regardez ici, attaque plus 160. Ah oui. Ah oui.
Au début, j'étais attaque plus 40, attaque plus 160. Très bien. Donc, première tenue achetée. Alors, les 15 tenues sont là, hein. Effectivement. Il y a 15 héros. D'accord? On a 15 héros en tout et pour tout. Atreus n'a pas de tenue, mais il y en a un qui en a deux, ici, là. Lui, il a deux tenues. On arrive du coup à 15. Hein. Voilà pourquoi le bonus est sur 15. Donc, 2 sur 15 obtenus, plus 160 d'attaque. Au bout d'un moment, je pense ça. Ça va faire mal. Hein. De toute façon, on va récupérer la troisième tenue pour voir un petit peu comment c'est. Alors, j'ai hésité. Aujourd'hui, je peux acheter n'importe quelle tenue, on va dire épique, les violettes, d'accord? Les coupons premium, enfin, pas premium, exquis, excusez-moi, les coupons exquis. Donc, j'hésitais entre Elix et j'hésitais entre Ayana. Aujourd'hui, mon roster pour le Endless Mode, le mode infini, aventure infinie, c'est de base aujourd'hui Sylvain, Ryan, Shade, ok? Dans cet ordre-là ou pas, d'accord? Mais en gros, j'avais inclus dans mon roster Ryan, qui est niveau 74 actuellement. Il s'avère que Ryan ne fait pas assez de dégâts malheureusement, contrairement à Shade et, Ayana et son charme. Excusez-moi, des fois je confonds Shade et Ayana. Malheureusement, Ryan ne fait pas autant de dégâts qu'Ayana. Donc je vais mettre Ryan de côté, malgré le fait qu'on ait une X-Rave gratuite avec ce perso. C'est bien, je l'ai débloqué, je l'ai monté, mais j'ai fait le test plusieurs fois et malheureusement, il ne me convient pas, il fait pas assez de dégâts. Malgré qu'il ait un petit poison en plus, un petit dot de poison en plus, c'est pas ça, c'est pas ça. Et moi, comme je vous l'ai expliqué à chaque fois, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc du coup, je vais remettre ou Elix ou Ayana, mais je vais remettre Ayana. Pourquoi Ayana et pas Elix? Les deux me donnent, ici, regardez ici, hein, attaque plus 60, ok? Et ici, attaque plus 60. C'est pareil, mais elle coûte plus cher, celle-ci. Mais j'ai ce qu'il faut pour la prendre aussi. L'autre, il coûte 120, si je dis pas de bêtises. C'est ça, 120, vous avez vu? 120. Je vais prendre Ayana pour quelle raison? Bah parce que du coup, je la réinclus dans mon roster pour le Endless Mode. Tout simplement, c'est tout. Voilà pourquoi j'ai fait ça. Et j'ai pas pris Elix. Parce que je vais pas jouer Elix, tout simplement. Vu que je vais jouer Ayana, je vais en plus de gagner 60, je vais aussi, après avoir été transporté, hein, sans le vouloir, hein, sans le vouloir, et bah du coup, les dégâts de collision sont réduits de 25% en 3 secondes. En 3 secondes ou pendant 3 secondes? Je pense que c'est pendant 3 secondes, voilà. Sinon, c'est bizarre, tu prends un coup, mais du coup, les dégâts en 3 secondes sont réduits. Non, c'est pendant 3 secondes, je pense. Dans les commentaires si c'est ça ou pas. Donc, du coup, je vais prendre cette tenue, les amis. Et c'est un choix réfléchi, encore une fois, parce que du coup, ça coûte vraiment très très cher. Mais encore une fois, ces coupons, on peut les choper de façon dans les events en tant que free-to-play. Donc, c'est cool aussi. Donc, c'est parti. Le petit screen d'avant et le petit screen d'après, tu connais. Voilà. Et n'oubliez pas, ici, je suis à plus 160 avec la deuxième tenue obtenue. On va voir un petit peu je suis à combien après avec la troisième tenue. C'est parti, let's go. Voulez-vous débloquer? Oui, je débloque. Petite sorcière, nouvelle tenue obtenue, d'accord. Les tenues en double seront automatiquement, on sait, d'accord. Et là, 3,15, je suis avec un bonus de 220. Plus 40, plus 160, c'est ça? Et maintenant, c'est plus 220. Je suis aujourd'hui arrivé à 11 828 d'attaque. C'est pas dégueu. Et j'ai ma petite Shade du coup qui est ici. Vous avez vu, c'est stylé. Moi je kiffe. Donc voilà. Aujourd'hui, c'était vraiment l'ouverture. Hein. C'est une sorte de pack opening de skin. Je voulais voir ça avec vous. J'ai augmenté du coup mon attaque grâce à ça. Et pas des moindres. Hein, du coup, j'étais à 11 576. Je suis à 11 828. J'ai pris plus de 300. Hein. Quasiment 400, non pas trop, 400, 300, 300, 300, 300 attaques, c'est pas négligeable du tout, voilà. Donc voilà, on s'arrête là-dessus les amis, n'oubliez pas le petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve du coup très très vite, je vous fais des bisous.